Hey, salut tout le monde, c'est quoi? Moi, Guy, et bienvenue aujourd'hui sur Football Manager 2016, bien sûr. Version 16.1, bah c'est cool. Voilà, donc ceux qui se rappellent un petit peu de mes aventures sur Football Manager, il y en a eu plusieurs, il y en a eu une en solo où j'avais réussi l'exploit tout de même, enfin pour moi c'est un exploit, de me faire virer de Caen, du Stade de Caen après 6 mois d'activité. C'est vous dire un peu mon niveau. Et après, il y a eu une carrière avec Tsubasa Azora, mon ami Olivier. Malheureusement, on n'a pas pu aller très très loin car après le planning, les emplois du temps et tout, c'était pas simple de se mettre, enfin, d'être ensemble pour jouer tout ça. Dommage, hein, parce que sinon, Olivier, lui, est un excellent joueur de FM et d'ailleurs, on l'avait pu le voir dans les débuts. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout simplement la présentation du club, c'est-à-dire que là, on va créer un club. Alors, à noter que la petite déception au niveau de la création, c'est qu'en fait ce n'est pas vraiment une création. Alors oui, on crée un club, mais on remplace surtout un club. Voilà. On remplace, voilà, si on prend, je sais pas, comme exemple, Paris, eh ben, il n'y aura plus de Paris Saint-Germain, il y aura le club à la place de Paris. Donc il sera en Ligue 1 et tout. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé justement qu'on puisse créer un club qui démarre en CFA par exemple, et qu'on puisse, voilà, mais non, là on remplace un club qui est dans une division. Donc c'est un petit peu léger à mon goût. Mais bon, à noter que j'ai tous les logos de tous les championnats, de tous les clubs, de toutes les compétitions. Car même si je suis pas un gros joueur de FM, j'aime bien avoir tous les logos. Alors quel club on va devoir remplacer du coup? Alors moi j'ai raté une option, mais je ne pense pas. Excusez-moi pour ma voix, je suis légèrement malade depuis quelques jours. Mais je tenais à faire une vidéo comme sur FM 2016, c'est normal. Ah. D'ailleurs, avant de créer club, une petite précision va être importante à signaler. C'est que ce jeu m'a été offert par Games Planet. Voilà. Merci à eux encore. Après WRC5, voilà, Games Planet m'a offert FM 2015. Car c'est vrai que je voulais faire une série là-dessus, vu que c'est un jeu que j'aime bien, même si je suis pas un super joueur, même je suis même plutôt mauvais, mais j'aime beaucoup ce jeu quand même, donc voilà. Merci encore une fois, Games Planet, merci à vous. Bon, comme vous voulez, allez, quand vous voulez, les amis. Non, mais c'est toujours un petit peu long, hein, c'est normal. Et encore, c'est assez rapide là par rapport à ce que j'ai pu connaître moi à une époque. Attribution des objets des transferts, ouais. Donc, on va remplacer, je vous dis tout de suite, ce sera la Berrichonne, Châteauroux. Ça me laisse en plus l'occasion de saluer très cool. Voilà. Qui a, il me semble, quelques affinités avec Châteauroux. Donc, voilà. Malheureusement pour lui, il n'y aura plus la Berrichonne. J'aurais pu virer Strasbourg aussi, mais bon. Bref, allez, Kouamain Gud, c'est moi. Oui, c'est mon profil. Voilà, c'est mon profil à moi. Alors, on va remplacer qui? Bah, pas Marseille, parce que sinon déjà je serais en Ligue 1, ce serait un peu con. Dommage, hein, parce que 145 millions, ça me fait plus. En Ligue 2, il y a peut-être pas en Ligue 2, il y a qui? En Ligue 2 qui a beaucoup de pognon. Parce qu'on peut commencer en Ligue 2 aussi au final. 10 millions, 13 millions. 21 pour Evian. 34 pour Metz. Ouais, ça, pourquoi pas commencer en Ligue 2 au final, hein. Pourquoi pas commencer en Ligue 2? Parce qu'on ne peut pas commencer en CFA, voilà, on n'a pas le droit. On peut commencer soit en National, soit en Ligue 2, donc pourquoi pas commencer en Ligue 2 au final plutôt qu'en National. Ouais, on va commencer avec Vire et Metz. Dans celui qui a plus d'argent. Là, si j'ai bien vu, hein. Et moi, il me faut de l'argent. Il me faut de la thune. C'est un peu dommage, encore une fois, voilà, on doit virer un club. Et du coup, bah, c'est Metz qui va être viré. Voilà! Vous pouvez modifier les détails du club, ouais. À l'exception de ses finances, bien sûr, de ses infrastructures, de sa réputation et de sa qualification continentale. Oui, c'est logique.
C'est parti. Création du club. Metz, au revoir. Il n'y a plus le Metz. Niveau des logos, les logos, il n'y a que 6. Franchement, décevant. 6 logos seulement. C'est nul. Alors, bien sûr, on peut importer, on peut choisir, on peut apporter des choses et tout, hein, bien sûr. On peut apporter tout et tout. Si quelqu'un a créé un logo, il peut le mettre, pas de problème. Mais voilà, autrement, il n'y a que 6 logos. Et moi, je vais rester un logo, je vais garder un logo comme ça à la con, c'est pas grave. Nom du club, Arkham FC. Surnom, non. À Flair, oui, je suis à Flair. Donc, oui, Flair est dans le jeu. Nom du stade, Arkham Asylum. Les couleurs. Ah, donc on a 3 maillots. Ok. Et c'est parti. Alors, on va mettre une base. Une base. Bleu foncé. Enfin, pas en première couleur, ça. On va mettre pas en première couleur. Si, ça. Et bleu foncé. Et gris comme ça, là. Voilà. Et noir. Bleu foncé et noir. Non, pas noir, mais gris foncé et bleu, je veux dire. Voilà. Bleu et gris. Voilà. Le style. Ouf, on va faire simple, hein. Hop, comme ça. Alors pourquoi deux fois les chaussettes, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas. Peut-être que. Je sais pas. Chaussette droite, chaussette gauche. Allez. Le maillot. Donc. On a dit qu'on gardait ces couleurs-là, des couleurs un petit peu sombres comme ça. Et le contour, on va quand même mettre du blanc pour aller, pour voilà quoi. Enfin voilà, vous avez compris. Les numéros, on va les mettre en rouge pour que ça pète bien par contre. Voilà. Le style des maillots. Ouh, ça rend sympa la couleur, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien ça comme ça. On va mettre quoi? Celui-là, celui-là. Alors désolé, cette vidéo ne servira que à la création du club. Il n'y aura rien après. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment juste pour créer le club. Et je prends un petit peu de temps pour créer les maillots, tout ça. Donc si ça ne vous intéresse pas, désolé, mais c'est comme ça. Zappé, voilà. J'hésite là. Il n'y a quand même pas beaucoup de choix. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choix, cela me déçoit. Oh, il y a encore un truc qui me déçoit. On va prendre celui-là. Et le short, le short, on va le mettre. En bleu foncé, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas comme ça. Voir comment il rend le maillot. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. Non, je suis pas convaincu là. Ah non, j'arrive pas, je suis pas convaincu. Alors, les couleurs me plaisent, par contre, ça y a aucun problème, mais c'est après le truc, voilà. Je suis pas super convaincu du truc. Ouais, plutôt comme ça, pourquoi pas avec le logo comme ça? Ouais, ça peut être sympa. Alors, le corps du maillot, on va pas. Le corps du numéro, on va pas mettre ça, on va mettre en blanc. Non, en noir plutôt. Voilà. Et le contour sera en blanc. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà, parce que je veux pas qu'il y ait de rouge ici en fait. Ok, le deuxième maillot, le maillot extérieur. Là, on va mettre du bleu comme ça. Ok, pourquoi pas le maillot, les couleurs. Au hasard. Orange, donc orange foncé ici. Là. Au hasard, du vert, mais on va pas mettre du vert comme ça, on va mettre du vert, voilà, comme ça. Et là, au hasard, du bleu, donc on va mettre du bleu comme ça, pourquoi pas. Hop, qu'est-ce que ça pourrait faire comme maillot? Dégueulasse. Ok. Donc le vert, on va le virer, on va mettre du blanc, tiens. Hop là.
Voilà, pourquoi pas. Matamadio, c'est style assez simple. Pour le coup, Matamadio, c'est simple. Ouais, pourquoi pas. Écoutez. Bon, le orange fait un peu tâche. Hein. Je vous l'accorde, le orange fait un petit peu tâche. Voilà. Ouais, c'est cool. Le gardien, tout en noir. Non, tout en blanc. Non, bah écoute, bah, tout en noir. Oui, je mets le couleur ça en blanc. Voilà. Non, ouais, on va pas faire n'importe quoi. Voilà, on va quand même mettre ça. Donc ça c'est le maillot du gardien, hein, donc on s'en fout un peu. Hein. Voilà, si tu veux avec la petite croix. Et ça, ok, si tu veux, y a pas de problème. Voilà donc les maillots du club. Ouais. Le logo est en noir foncé, tout ça, c'est pas mal. Mais j'aime bien, ça fait sobre, c'est cool. Le troisième maillot, on va le laisser comme ça. Au final, pourquoi pas, s'ils veulent. Voilà, mais écoutez, ce sera mon équipe. Alors, les rapports, oui, c'est vrai qu'on peut modifier les rapports. Club Brivo, oui, moi je vais en ajouter un. Hein. Désolé, mais oui, voilà, le Paris Saint-Germain sera mon club rival, car voilà, j'aime pas le Paris Saint-Germain, vous le savez. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais voilà. Modification d'affiliation. Non, c'est bon, on va pas tricher. Hein. Parce que je pourrais mettre des gros clubs, si je voulais, si je pourrais mettre Milan AC, le Real, le Barcelone, mais non, non, ça ne sert à rien. Et dans le divers, on s'en fout aussi, ben voilà. Maintenant, je vais essayer une équipe de rêve. Alors ça, c'est toute l'équipe de Metz. 34 millions. Et moi, je vais tout virer. Pourquoi? Parce que je ne veux aucun joueur de Metz dans mon équipe. Voilà. Mon équipe s'appelle Akan FC, pas FC Metz. Alors soit on rajoute des joueurs un par un, soit on peut faire aussi effectif automatique. Et là, vous allez voir, voilà. Ça nous donne par exemple voilà, Nardi, des joueurs sympas, un joueur de Marseille, tiens, avec Benjamin Mendy. Ici on a. Je connais pas beaucoup des joueurs complètement là-dedans. Tout ça pour 28 millions, eh voyons. Alors, toi je te vire. Pourquoi? Parce que je le vire, c'est tout. À moins qu'il soit bon. On sait jamais, hein. Il a 17 ans, mais je le vire. L'Aberration, je le vire aussi. Mais pourquoi? Pourquoi est-il aussi méchant? Non, non, tout simplement parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir ces deux joueurs-là dans mon équipe. Voilà. Beaucoup de jeunes hein, quand même dans mon équipe là, voilà. Donc c'est une équipe sympatoche avec un Belge, un Togolais, un Espagnol, un autre Espagnol, un Brésilien, c'est qui le Brésilien? Ok, Victor Andrade. Ouais, pas mal tout, pas mal, pas mal, pas mal. Mon buteur, un Lituanien. Ok. Mais il me reste quand même 5 millions 5. Et on va aller, bien sûr, chercher un buteur. Car il me faut un meilleur buteur que ça, moi. En dessous de 3 millions 8. Waouh, non mais t'es sérieux là? Ah oui d'accord, super. Alors là c'est des bises qui proposent des joueurs à plus de 3 millions, hein, mais bon c'est pas grave. On ne lui en veut pas. Alors, Vukic. Hop là! Toi, je te prends. Il me reste une place hein, seulement. Il me reste une seule place. Il est là. C'est pas un buteur, hein, mais bon. Je veux un buteur maintenant! Un vrai buteur, s'il te plaît.
Hop, merci. Non mais j'aime bien avoir un petit joueur comme ça. Ah mais rien, va te faire enculer ton pari, toi, putain! Ça y est, quand même, commence déjà à rager, ça y est. Du coup, il me reste combien là? Il me reste. Oh, il me reste 3 millions. Ouais, ça va. Alors, buteur, ok, c'est bon. Allez. Oh, il me propose comme voilà, un gardien de but. Ce truc est un peu débile, hein. Franchement, c'est chiant. C'est un peu mal foutu des fois, mais bon, c'est pas grave. Allez, qui est-ce qu'on va pouvoir prendre comme vrai buteur ce coup-ci? 14, ok, 14. 15 en finition. Ouais, Coglarella est là, excellent. Lisandro Lopez, il est un petit peu vieux maintenant, mais Lisandro Lopez, j'aime beaucoup ce joueur. Il a 1,9 million. On va prendre Lisandro Lopez. Voilà, un vrai buteur. Oui, mais il me reste encore ça. Je vais voir dans les gardiens, est-ce que je pourrais pas, ce qui sont bons mes gardiens là. C'est pas non plus l'extase. Hein. Ouais, il me faudrait vraiment un bon gardien. Moi, c'est encore 2 millions 4. Voilà. Gardien, quel rôle? Bah, gardien de but, hein. Bref. Il y a moyen, je pense, d'avoir un bon gardien. À 2 millions et quelques, hein. Voilà, c'est à partir de là. Jules César. Ouais, c'est quand même plus sympa. Pour ça, on sélectionne Jules César pour l'instant. Ah, j'aurais bien aimé avoir. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ruffier, hein, mais bon, mon ami Ruffier coûte plus cher. Ça dépend combien il coûte, hein. Ruffier, il est où, Ruffier? Donc, on garde Jules César pour l'instant, bien sûr. Ouais, Timo Ram à 3,5 millions. Non, non, on va prendre le Jules César. 35 ans, hein, c'est sûr, oui, je sais, c'est pas un tout jeune. Mais bon, c'est pour la première saison. Autorité, détente, ouais, pas mal non plus, hein. On va prendre juste ça. Adjugé. 34 millions, donc je suis au-dessus de mon de ce qu'on m'autorisait, donc il va falloir que je vire des gars. Pardon, excusez-moi si j'ai renifle, mais je suis malade. Complètement malade. Donc je suis à combien là? 34, 18. Oh putain, pour 170 000, tu fous ma gueule. Hein. Eh ben on va virer, bah tu vois, le gardien de but, l'autre là, voilà, le deuxième gardien de but. Ou lui, peut-être le milieu offensif, Rémi Houdin. Ouais, désolé Rémi Houdin. Tu te casses. Voilà! Voilà donc mon équipe pour cette saison, cette carrière avec le Team Arkham Pro, maintenant, avec Arkham FC. Voilà, avec donc une équipe sympa, moi j'aime bien en tout cas Lisandro Lopez, il y a donc Jules César, voilà. Pour les autres joueurs, je ne les connais pas ou très très peu, honnêtement, à part Benjamin Mendy quand même, voilà, ok. Le joueur de l'OM, mais voilà, tiens, le joueur du Paris Saint-Germain, j'ai même pas fait gaffe aussi avec Ogunda. Voilà les enfants, ce sera donc mon équipe. L'entraîneur, bah j'ai déjà fait ce qu'il fallait, donc c'est bon, c'est quoi, il n'y a pas de problème. Oui, je veux démarrer ce nouveau club. Oui, je veux jouer.
Et enfin, oui, je vais sauvegarder, ça va être ça, à mon avis. Il faut un petit peu de temps. Voilà. On sauvegarde Arkham. Oui, il n'y a pas de problème. L'interface m'a l'air assez sympa dans ce sens où j'aime bien les interfaces sombres comme dans PCM. Hein, j'aimais bien. Ah bah voilà, c'est parfait. C'est du noir, c'est cool. Le destin l'a quand même confié à Wengus. Message personnel de Bernard Serin. Oui, bah écoutez, on va. Oui, bah assister à la réunion, il n'y a pas de problème. Je vais prendre quelques minutes de votre temps. Vous êtes la bienvenue à KMFC, merci. Je tiens également à vous assurer que vous avez le soutien de tous les dirigeants. Nous n'aurions pas fait appel à vous si nous n'estimions pas que vous étiez la bonne personne. Mais bah oui, mais en même temps, c'est moi qui. Voilà, parfait. Je pense que c'est une bonne chose pour l'entraîneur de montrer l'intérêt pour le club qu'il représente. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Très bien dit. Comme indiqué dans votre message de bienvenue, le club ne vous demandera pas d'adhérer à une philosophie particulière. Souhaiteriez-vous rencontrer les dirigeants pour leur suggérer une philosophie à laquelle vous tenez particulièrement? Oui, peut-être. Inutile d'organiser une conférence de presse. Oui, bah vas-y. Merci. Voilà. Ce qu'il faut savoir. Aucun trophée remporté, aucun palmarès, vierge de vierge de vierge. Donc du coup, voilà un club vierge, un club où tout reste à faire, tout est prêt. Voilà. Sur ce, les amis, moi, je vais vous laisser là avec juste un petit coup d'œil sur mon effectif, sur mon calendrier plutôt. Parce que l'effectif, on vient de le voir ensemble. Hein. Donc là, le match amico, ok. Ah tiens, contre Strasbourg, je te demande à faire. Je suis dans la Ligue 2, donc hein, voilà, la Ligue 2. Et comme vous le voyez, donc, vers ce moment, il n'y a plus le club de Metz. Car je suis le club de Metz maintenant. Mais je ne suis pas Metz, je suis Arkham FC. Et c'est là toute la différence. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cela vous aura plu. J'espère en tout cas que vous serez motivé à regarder cette carrière sur Football Manager 2015-16. Moi, je le suis en tout cas. Je suis très motivé. Et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et ciao. Bye bye. C'est parti. L'aventure Arkham FC sur Football Manager 2016. Yes! J'y crois. Allez, ciao tout le monde.